Good morning, allez, Yiden, les tutres aujourd'hui, le Nishmat, Amram Yona ben Chana, Nissim ben Ahuda, Sarah bat Chana Rachel, ainsi que l'Irfuat Ari Akiva ben Shachar, et Refel Zvulun ben Chaya Malia, Betor Shar Chole Israël. Si vous souhaitez, vous aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, comptez 5 minutes éternelles. Nous étudions aujourd'hui Maseret Avot, Perek Gimel, Mishnah Aleph et Bet, Mishnah Aleph d'abord. Akavia ben Malal en Omer, Istakel Bishlosha Dvarim ben Atabali de Avera, Da, Me Ain Bata, Ul'an Ataolech, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון, מאין באת מטיפס רוחה, ולאן אתה הולך למקום, למקום עפר רימה ותולע. ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. עקביה בן מהל על אל, אבי לביטוד דודיר. הסתכל בשלושה דברים, ואין אתה בא לידי עבירה. ווא, trois choses, et trois choses devant tes yeux, les yeux, du sechel, pas les yeux concrets, et devant, vie avec la, avec cette conception forte devant toi, de ces trois points-là, ve'en ataba l'idée avera, et ainsi tu ne viendras pas à fauter. Da, sache, mais ain bata, d'où tu viens, ou le anata holer, et où tu vas, ve'lefne miata atid liten din ve'cheshbon, et devant qui tu auras à rendre un jugement et des comptes. Et il explique, mais Aïn Bata, d'où tu viens, mitipas rucha, d'une goutte nauséabonde. L'homme féconde, il donne une goutte nauséabonde à la femme pour fabriquer, pour faire conceptionner le vlad, l'embryon. Et donc, mitipas rucha, c'est une goutte qui est nauséabonde, qui est en elle-même censée se détériorer au bout de quelques heures, quelques jours, trois jours, ça prend selon la Torah. Donc, en théorie, réalise que tu viens du néant. Tu as été un accident de la nature quand tu es né. C'est un pur miracle. T'étais censé, la petite goutte, elle était censée être, se détériorer, dégénérer, et puis finalement, elle a été fécondée. Donc, quand on réalise ça, on va se retenir de la faute. On va expliquer de quel type de faute. D'abord, on continue à traduire la Mishnah. Où les anataolef et où tu vas. Où tu finis, où la vie continue. Limkom afar rima betolea. Dans un lieu où il y aura là-bas de la terre, rima vetolea, de la vermine et des vers. On finit tous par quitter ce monde et à rendre le corps au vestiaire, à la terre, et là-bas il se détériore, il pourrit, les vers viennent et le rongent. C'est censé aussi nous freiner de transgresser une faute. Et aussi, velefnemi ata atid liten din vecheshbon, et devant qui tu auras à rendre jugement et compte, lifne melech malche amelachim akadosh baruchum. Devant le roi des rois des rois, le roi la plus haute sommité des rois, qui est Hakadosh, le saint Baruch Hu, béni soit-il. Et on explique de quoi on parle. Je vais mélanger un petit peu le Barthénora avec le Tiferet d'Israël, qui vient à Kavya ben Malalel. On a trois pôles de Averot. L'orgueil, le plaisir, la Tahava, la concupiscence, et aussi la minoute, la tendance de vouloir remettre en cause l'intellect avec des hérésies goy, des hérésies de remise en cause de philosophie complètement athée ou quoi que ce soit, d'accord ? Trois types de tentations dans la vie d'un homme, et face à ces trois tendances, alors Akavya ben Malalel vient nous dire, sache qu'il y a trois choses que tu dois vivre, les avoir constamment face à tes yeux, de manière à ce que tu ne vas pas transgresser de faute. Tout d'abord, lorsque tu es pris d'orgueil, de te dire « je me prends pour quelque chose, je veux quelque chose », souviens-toi d'où tu viens. Tu viens d'une petite goutte nauséabonde qui était censée dégénérer, et finalement, tu viens de rien. Tu viens de rien, donc en réalisant que tu viens de rien, plus un homme va réaliser d'où il vient, moins il va commencer à se laisser pousser des ailes fictives, bien sûr, en se laissant croire qu'il est au-dessus des autres, quoi que ce soit. D'un coup, il va réaliser, qu'est-ce que je suis, moi, bémikré, j'ai la chance que Baruch HaShem, je suis né dans une famille, c'était même pas... Rien ne me revenait de droit, tout ce que j'ai, c'est un pur cadeau d'HaShem, rien ne me revenait de droit, j'étais censé être une goutte nauséabonde qui aurait dû se détériorer complètement. Donc, par là, l'homme casse l'orgueil. Ensuite, Ul'an Ataolech, lorsqu'il a une tendance, et quelque chose de fatal, de très fort, c'est que, imaginez, ouais, quelqu'un qui a été tenté par manger quelque chose, par faire une grave avéra quelconque, quoi que ce soit, et bien si à ce moment-là, d'un coup,
Il dit, bon, d'accord, la Avera, on va la faire, mais deux minutes. Il réalise. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que moi, mon corps, il va être? Je vais rendre mon corps au vestiaire. Personnellement, moi, j'ai les cafards, ça m'écœure. Si un cafard, il me tombe sur la main, je vais pendant une heure me frotter la main, me frotter. Ben, imaginez, ou bien des vers, toutes sortes de vermines. Imaginez qu'est-ce que c'est ce corps-là, lorsqu'il va repartir au vestiaire, il va entrer dans la terre. Là-bas, il y a des tas de vers qui vont venir le ronger. Et quand quelqu'un commence à réfléchir à ça et à sentir comment ça peut le dégoûter, parce qu'il y a une petite part du néfèche qui reste, qui rôde, comme ce qui était évoqué dans les missionnaires précédentes, on avait rapporté le monde sur Tov qui parlait de ça, où il y avait là-bas, il y a une part du néfèche de l'âme spirituelle de l'homme qui reste en rapport avec le corps, et que c'est une souffrance terrible. C'est une souffrance terrible pour ce néfèche de voir ce corps qui se fait ronger par les vers. Et donc de ce fait, ça le casse directement de vouloir faire toute Avera naturellement. Ça, c'est quand il prend l'extrême, donc « Ul'an ataoler, où tu vas, limkom afarima vetolea » dans un endroit où tu vas repartir à la poussière, et tu vas repartir à la vermine. Donc, ça casse l'envie de transgresser, de faire des... Ça casse la tentation. « Ulefnemi ata atil liten din lecheshbon » Devant qui tu auras à rendre des comptes. Alors là, sur cela, je m'aide pour du Tiferet Israël, qui parle de la troisième sorte de Yetzer Hara, qui est de vouloir remettre en cause des choses évidentes. Des pensées athéistes. De vouloir remettre en cause, ça peut être aussi même la moquerie, se moquer de psukim de Torah, la picorsoute. Être épicurien, ça dit, je sais pas, ça aide de traduire. Apicorsoute, concrètement, vouloir oser remettre en cause, remettre des fondements en cause, mais de manière vicieuse pour mettre en doute. C'est un Yetzer Hara, hein. C'est un grand Yetzer Hara, que ceux qui ont une tendance plus intellect osent pénétrer dedans. Les gens qui vivent une vie plus simple, ils ont l'avantage au moins de ne pas se poser des questions d'être athéistes. Ils aiment naturellement Hachem, ils ne se posent pas trop de questions, ils font leur petite avoda, les tfilotes, ils vont au travail, ils étudient un petit cours de Torah. Mais dès que les gens ils vont entrer un petit peu plus dans la marche à bas, dans la pensée profonde, dans la philosophie et tout ça, alors là, ils vont avoir un Yitzhara très particulier, qui est le Yitzhara de l'athéisme, de la... C'est le même Yitzhara que la Vodazara, c'était le même principe, c'est tout découle de cette même force qu'il y a à l'intérieur de lui. Et bien dans ce cas-là, il nous donne un super bon conseil. Dis-toi uniquement, les devant qui tu auras à rendre des comptes. Finalement. Personnellement, j'ai utilisé ça, rien qu'aujourd'hui encore. Je parle avec quelqu'un qui, à cause d'une marloquette très virulente entre Rabbanim, alors il a voulu parler contre l'autre Rav qui est déjà parti, qui a déjà quitté ce monde. Et je me dis simplement, honnêtement, pourquoi est-ce qu'on va parler de Rabbanim? C'est dommage. Regarde, honnêtement, entre nous. Maintenant, ce Rav-là, il est au Olam Ha'emet. Il est passé dans le monde du vrai. Honnêtement. Tu crois vraiment que là-bas, il est en train de se faire punir? Regarde comment c'est un sadique sur ça et sur ça et sur ça. Alors même si tu as un petit problème, pourquoi est-ce que sur ce point-là, il a réagi mal et que ça t'a causé du tort, directement ou indirectement, peu importe. Mais tu es d'accord que c'est un sadique? Tu es d'accord qu'en ce moment, il est aimé dans le ciel? Alors, il n'était pas exactement dans ta manière de voir les choses. Malheureusement, on a tout de suite cette tendance, dès qu'on rentre quelque part dans le monde de la Torah, à vouloir croire que les rabbanim et les différentes tendances, c'est un peu comme des équipes de foot. Donc moi, je suis du Bayern de Munich, ou je ne sais pas c'est qui est en vogue en ce moment, et donc je vais parler mal de tel joueur. Mais deux minutes, tu parles de rabbanim, tu parles d'Ovdé Hachem, de Jean Kachem Ilem sur Terre. Et prends ce regard sur le monde en te disant comment dans le ciel on regarde. Et le meilleur moyen pour se rappeler de ça, c'est, imagine-toi, une fois que tu vas quitter maintenant tout ce monde de la devanture, tout ce monde où, de la superficialité, et tu vas d'un coup, on va basculer dans le monde de la vérité. On va se retrouver devant la vérité, on va se retrouver devant Hachem, devant là-bas, toutes nos actions qu'on a faites sur Terre. Est-ce que tu continueras à prétendre toutes sortes de fausses conceptions et de... Ouais, d'un coup, on est capable de réfléchir sur le Emet. Pour réfléchir sur le Emet, la vraie vérité, alors c'est très simple. Il faut réaliser qu'est-ce qui se passera quand on aura quitté ce corps et qu'on sera dans le monde du vrai. Et d'un coup, ça casse toute envie de développer toutes sortes d'idées un petit peu tordues. C'est ce qui vient nous apprendre. Devant qui tu auras à rendre des comptes? Le grand roi, le saint des saints. Qui est complètement au-delà de tout. Au-delà de tout, au-delà de toute... considération qui pourrait te fausser le regard sur la vie. Un petit détail, précision importante du Gaon de Vilna, qu'on insiste que tu auras à rendre des din vecheshbon, rendre un jugement et des comptes. Qu'est-ce que ça implique, un jugement et des comptes? Le Gaon de Vilna, c'est pas écrit ici, je sais pas, c'est rapporté comme ça au nom du Gaon de Vilna, qui rapporte que
Imaginez quelqu'un, il devait partir faire Arvit et ensuite étudier un petit peu la Torah. Il a préféré ce soir-là aller faire une Avera. Regarder, je sais pas moi, aller manger, pas tellement cacher, ou peu importe, d'accord, on ne va pas commencer dans d'autres détails. Alors ensuite, quand il va aller devant Hachem au tribunal céleste, alors on va le juger, et puis on va lui dire, ah, tu as fait telle Avera, donc on va te juger, on va lui donner un mois de Géinam. Bon, un mois de Géinam, il va là-bas, il va se faire rôtir, ouais, recto verso, un petit peu chaque jour, un petit peu plus cramé par-ci par-là. Bon, au bout d'un mois, il a fini, ça y est, il a fini de payer le Géinam. Alors il va vouloir repartir au Gan Eden. On va lui dire deux minutes. Bon, jusqu'à maintenant, tu as payé, on a fait le jugement, tu as transgressé, donc il devait recevoir une punition, il a reçu la punition. Mais à part ça, viens, on va faire les comptes maintenant. Pendant ce temps-là, il était censé étudier la Torah, faire des mitzvot. Où elles sont cette Torah et cette mitzvot? Tu les as pas faites. Allez hop, repart encore faire un petit tour pendant 3 semaines. Ouais, ça c'est din, c'est cheshbon. Din, c'est sur l'action elle-même, et cheshbon, c'est sur les bonnes choses qu'on aurait pu faire au moment où on n'a pas fait ces bonnes actions. Ensuite, Mishnah Bet, Rabbi Hanania Asgan Akohanim Omer, Heve Mitpalel Bishloma Shel Malchut, Shil Male Mora'a, Ish Et Re'ehu Chaim Bala'u. Rabbi Hanania Ben Teradion Omer, Shneim Shiyoshvim Ben Benem Dire Torah, Harize Moshav Letzim. Shneimar, Uv Moshav Letzim Lo Yashav. אבל שניים שיושבים ויש ביניהם דברי תורה, שכינה שרויה ביניהם, שנאמר, אז נדברו, יראה השם, איש אל רעהו, ויקשב השם וישמע, ויכתב ספר זיכרון לפניו, ליראה השם ולחושבי שמו. ואין לי אלא שניים, מניין אפילו אחד שיושב ועוסק בתורה, שהקדוש ברוך הוא קובע לו שכר, שנאמר, ישב בדד וידום, כי נטל עליו. מקום עשר, רבי חנניה סגן הכהנים, אומר, רבי חנניה סגן, לסגון, לביס, Kohen Gadol, il s'appelle le Sgan, donc, le Segen, à Kohanim, disait, avait l'habitude de dire, Heve mitpalel bishloma shel malchut, veille à prier pour la paix du gouvernement, de l'État, de celui qui te dirige, du gouverneur, qu'il réside en paix. Pourquoi? Quelle est l'importance? C'est un goy, même parfois, quoi? Pourquoi il faut prier pour sa réussite? Oui, prie pour sa réussite. Pourquoi? Shil male mora'a, car si ce n'était sa crainte, le fait qu'il réussisse à avoir une bonne police et à frapper sévèrement ceux qui transgressent. Alors qu'est-ce qui se serait passé s'il n'était pas là? Ish etre ehu chaim balaou. Un homme, son prochain, aurait avalé tout cru. Soit il vient et nous dit, tu sais, tu peux prétendre ce que tu veux, t'es pas d'accord avec ce gouvernement, t'es pas d'accord avec ce que tu veux, la police. Sache qu'il vaut mieux pour toi qu'il y ait un gouvernement fort et une police forte. Au moins, l'homme, dans sa nature, bouffe l'autre. L'homme chasse l'homme. C'est une grande règle, malheureusement. C'est très triste. C'est très... En tout cas, il y a même un pasouk qui nous rapporte dans le Bartanora. Dirti, vatase adam kit geayam. Tu as fait l'homme comme des poissons. Autant que chez les poissons, le gros bouffe le plus petit. Sache que l'homme aussi, c'est la même chose. Dès qu'il a du pouvoir, regardez même le mot violent qu'utilise la Mishnah. Ishetre'ehu. Un homme, son ami. Un rea, c'est son ami. Même son ami, il va le bouffer. Il va l'avaler cru. Bah là où c'est qu'il va l'avaler cru, il va même pas se soucier de voir est-ce qu'il souffre, est-ce qu'il souffre pas. Directement, dès qu'il va pouvoir, dans la nature humaine, si dès qu'il n'y a plus les règles de société qui l'empêchent de pénétrer chez l'autre, alors, naturellement, il le convoite, il convoite tout ce qu'il a, et il peut aller très très loin. Ensuite, Rabbi Hananiah ben Teradion omer, Rabbi Hananiah ben Teradion enseigne, Shnaim sheyoshvim ben benehem divrei Torah, deux personnes qui sont assises, tranquillement, ils ont du temps à passer, ils sont assis. Ve'en benehem divrei Torah, il n'y a pas entre des paroles de Torah. Un juif, dans sa nature, c'est la Torah, il doit parler que de ça, il doit vivre que ça, il doit vivre Hachem, c'est pas un être humain normal comme tout le monde. Comme tous les goïms. Il y a les différents règnes, le règne végétal, le règne animal, le règne humain, et bien il y a au-dessus de l'homme, il y a le juif, il a une fonction différente, il est presque comme un ange, il est entre les deux en fait. C'est le mi-homme, mi-ange. Il est là, il a une fonction bien particulière sur Terre, c'est d'étudier la Torah, de faire le Ratzon Hashem constamment. Et donc s'il y a deux personnes qui sont, deux juifs qui sont assis entre eux, et qui ne parlent pas de divrei Torah, eh bien, Areize Moshav Letim, c'est une assemblée de railleurs, de moqueurs. Le Tiferet, le Tosfot Yom Tov explique, c'est des moqueurs, pourquoi? Parce que c'est la plus grande démoquerie possible. On t'a dit, imaginez que je vous dis, tu sais quoi, regarde, compte le nombre de pierres précieuses qu'il y a dans cette pièce, et ce que tu as réussi à compter, au bout d'une heure, tu ressors et tu les prends pour toi. Et lui, il est là, et il ne les compte pas.
Mais t'es bête ou quoi? Si tu les comptes, tu gagnes plein d'argent. Tu gagnes chaque pierre précieuse. Elle vaut très cher. Alors quoi, tu te mets pas à les compter et à les prendre pour toi ensuite? La même chose avec, on est là sur Terre. Hachem nous a donné une Torah que chaque mot, chaque étude, chaque pensée supplémentaire, alors c'est un mérite énorme, incommensurable. Alors quoi, tu les laisses comme ça, tel quel? T'es assis avec ton ami, parle de Divrei Torah. Et s'il ne parle pas de Divrei Torah, ça s'appelle un Moshav Letzim, une assemblée de railleurs, chez Neymar, comme nous dit le Pasouk, ou Moshav Letzim lo yashav. Dans une assemblée de railleurs, il ne s'est pas assis, là-bas on fait l'éloge de ce premier Tehilim, Ashrei Shesher Lo Halach Batzet Reshaim. Heureux soit l'homme qui n'est pas parti dans les chemins des mauvais et tout ça, et qui ne s'est pas tenu sur un. Et qui s'est pas installé dans une. Qui n'a pas, pas pris place entre des railleurs. Moshav Letzim dans les bars. Aval Shnaim Sheyushvim Veyesh Benehem Divrei Torah. Par contre, deux personnes qui sont assises entre eux et qui a entre eux des Divrei Torah, des paroles de Torah. Shchina Shruya Benehem. Dès qu'ils vont parler de Torah, la Shchina d'Hachem, la providence d'Hachem, elle réside entre eux. Elle est là, ça veut dire que c'est des tas de. C'est une grande. Premièrement, Hachem qui est là entre eux, c'est déjà très grand. Et en plus, ça, c'est une protection énorme. C'est la volonté d'Hachem qui est réalisée, qui est concrétisée sur terre. Plus on va réaliser la volonté d'Hachem sur terre, plus il va se dévoiler, Bezrat Hachem, jusqu'au grand dévoilement. Alors, dès que tu t'assois et tu parles de Torah avec ton ami, sache que tu entames une partie, une nouvelle pierre du processus de Bezrat Hachem, du grand dévoilement de la majesté d'Hachem sur terre. Shenemar, comme nous dit le Pasouk, Az nit beruira Hachem, Ishen re'ehu. Alors, ils parleront entre eux, ceux qui craignent Hachem, un homme à son prochain, Vayachev Hachem Vaishma, et Hachem écoutera attentivement. La Kriv s'est prêté oreille et Ishma, il entendra, ça veut dire que, d'accord. Vayikatev Sefer Zikaron, il inscrira le livre du souvenir, le fameux livre de Sefer Zikaron de Rosh Hashanah, où Hachem écrit toutes les actions qu'on fait, les fanav devant lui, les Ira Hachem ou le Rosh Hashemot, pour ceux qui craignent Hachem et ceux qui se soucient de l'honneur de son nom. Ensuite, la Mishnah continue en nous disant, Ve'en yel Hashnaim, je n'ai que s'il y a deux personnes, comme nous dit le Pasouk, Ishen Re'ehu. Mais minayin shafilu echad, d'où je sais que même si on a un seul, chez Yoshev qui est assis veosek batora et qui est en train d'étudier la Torah comme vous, ou vous êtes en train de suivre ce cours en ce moment, vous êtes peut-être au travail, vous avez pris un petit quart d'heure pour suivre votre Mishnah ou peu importe, et donc vous êtes en ce moment d'être osek batora. Alors d'où je sais que chez Akadosh Baruch Hu kovel osachar, que Hashem il va lui fixer un beau salaire, chez Nehemar, un beau salaire, c'est rallongé dans le Tosot Yom Tov. Il y en a qui disent que. Plusieurs versions, qu'est-ce qui a été dit, mais en tout cas, qu'Hachem, concrètement, que même là, la Shrina d'Hachem, elle réside avec lui, comme ça s'est rapporté. Alors, chez Nehemar, comme nous dit le verset, Yeshev Badad Veidom Kinatal Alav. Le passage qu'il est un peu dur à comprendre, tel quel. Il s'asseyera tout seul, Veidom, et il se taira, Kinatal Alav, car il prendra avec lui. C'est un passage de Echa, qui est assez flou. Echa, c'est la Megillah qui nous parle de la destruction du Beth Amikdash rédigée par Yirmiyahu. Mais en fait, si on lit les psukim qui précèdent, alors on comprend exactement le pasuk, qu'est-ce qu'il veut nous dire, et est-ce que la Mishnah en déduit. Le pasuk précédent, il nous dit « Tov Hachem lekovav lenefesh tidreshenu » Hachem, il est bon pour celui qui espère en lui, et que Hachem, il veillera sur lui. « Tov yachil vedumam » Et on parle de la destruction du Beth Amikdash, alors il nous dit « Sache que c'est bien pour lui » qu'il espère le sauvetage d'Hachem, et qu'il se taise, l'itchouat Hachem, et qu'il espère donc qu'Hachem le sauve. Tov la gever, et c'est bien pour un homme, malgré les malheurs qu'il peut avoir, les misères qu'il peut avoir, et ben c'est bien pour lui, qu'il sa'ol minourav, qu'il s'efforce depuis sa jeunesse à porter le joug de la Torah, à étudier la Torah, et à faire la vodat Hachem. Et il y a le pasouk qui continue en nous disant, Yeshev badad veidom, ki natal alav, qu'il reste assis, même tout seul, qu'il encaisse les épreuves qu'Hachem lui envoie, Veidom, et qu'il se taise, qu'il ne remette pas en cause Hachem, au contraire, qu'il reste fidèle à lui. Qu'il reste fidèle à lui, qu'il natal alav, car il prendra sur lui le salaire. Comme ça, c'est rapporté dans le Targum, qui est rapporté sur Veikabel apeshelim l'almada de il recevra une part totale, complète, au monde futur. Et le Barthénois continue en nous disant maintenant, ici, en nous disant, Yeshev badat Veidom, que comme celui qui étudie la Torah, l'étudie à voix basse, qu'on étudie tout seul, c'est pour ça qu'on voit qu'il est en train d'étudier tout seul, mais Idom, c'est qu'il sera quand même en train d'étudier la Torah Belachash. Alors, Kinatal Alav, le Barthénois nous rapporte
ça valait le coup pour lui que reçoive, que toute la Torah soit donnée que pour lui, tellement que son mérite est grand, même s'il est tout seul à étudier la Torah. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de la Sarah, comme tout vous savez.